Et bonjour à tous amis, c'est Lumberjack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un mode un peu spécial les amis. Donc c'est un mode TP qui est apparu on va dire récemment, pardon, qui est apparu récemment sur le mode hub bien entendu. Donc je te mettrai le lien en description pour savoir. Donc comme tu peux le constater, bon, on va dire que c'est pas tellement du TP, tu vois, c'est juste on va dire. Attends, je vais te faire voir ça. Avec le mode paysage, désolé pour la toux les amis, donc rassurez-vous, j'ai pas le Covid, tout va bien. Donc là tu vois tu peux carrément faire du terrassement aussi, tu vois, t'as 4 on va dire. T'as 4 on va dire objets pour placer, bien entendu pour le faire du terrassement, tu vois, donc t'as plus ou moins du petit terrassement, du petit au plus gros, voilà. Donc t'as différents types de tranchées bien sûr, t'as une tranchée assez grande. Donc si tu veux pour faire du TP sur console, c'est assez facile on va dire. Tu prends du copeau de bois, tu vois, tu prends une benne, et bah tu bennes dedans, puis après bah tu fais semblant on va dire. Comme moi je fais avec la pelle libère et puis le camion de Black Sheep Modding que je te mettrai également en description pour télécharger bien entendu. Donc sachant que le camion c'est un pack de camion man de man que tu peux prendre pour le TP ou peu importe. La pelle bah, tu peux la prendre également pour le TP et puis pour la forêt, enfin pour la foresterie également, pour les betteraves, pour pas mal de choses, bref, voilà. Voilà, donc tu peux avoir différentes tailles de tranchées, hein, donc après voilà, donc je m'y connais pas trop en TP, mais on va dire que j'essaye plus ou moins de m'y intéresser. Donc tu as plus ou moins plusieurs tailles de tranchées, donc tu as 7 grandes tranchées, 7 petites tranchées également, donc si jamais tu veux faire t'amuser à créer des tranchées ou à boucher des tranchées, bref, tu peux également avoir une espèce de... Une tranchée au bord d'une route pour installer par exemple une ligne de tension, des conduites de gaz, des conduites d'eau. Là on dirait plutôt de la fibre optique. Limite tout. Oui. Là c'est mon chat, désolé les amis. Vous entendez? Lui aussi il veut passer sur YouTube, MDR. Mais il dit pas passer sur YouTube. Bref. Où j'en étais? Ah oui, j'en étais là. Donc tu peux voir que l'état de gravats sont assez réalistes. Donc là, tu peux également t'amuser à creuser une tranchée avec. Bon, bien sûr, de ce que je te parle également, bah, c'est plutôt des modes à placer, bien entendu. Donc tu peux prendre n'importe quelle map et le placer comme bon te semble, tu vois. Donc pour faire ça réaliste. Voilà, donc je vais pas te faire un tuto également, donc t'as plein de tutos pour installer des choses, on va dire, sur une map sur farming bien entendu, donc bon, voilà. Oui, bah tiens, va, qui est bon toi. Hein? Mon gros. Oui. Excusez-moi, ça c'est mon chat les amis, hein, donc voilà, donc également tu peux faire aussi une tranchée près d'une maison, pour installer une piscine, pour installer par exemple, ouais, une piscine, peu importe quoi, tu vois. Là j'aurais plutôt dit qu'il installe comme une belle piscine honnêtement hein, sur cette maison. Après ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on puisse pas construire la maison avec des panneaux de bois, tu vois, avec une grue et tout, ce serait sympa quoi, de faire en farming quoi. Sans console du TP, enfin je veux dire sans console ou faire du bâtiment en travaux publics, tu vois, donc ça ça serait fort bien sympathique quoi. Voilà, donc également une grosse tranchée ici. Pour peut-être pour bâtir peut-être une future maison ou peut-être un futur immeuble ou peu importe. Donc là tu vois t'as des conteneurs, t'as pas mal de petits détails franchement, donc c'est assez bien fait franchement, c'est je trouve ça vraiment cool comme modeur, on va dire. Il y a un petit peu eu l'idée de créer des petits chantiers fort bien sympathiques honnêtement pour bah pour comment dire pour faire on va dire un mode TP quoi, une espèce de mode TP quoi, plus ou moins. Donc comme t'as pu le constater en miniature, bah que le TP est plus ou moins possible sur console. Voilà, donc c'est pas un titre putaclic, hein, je te rassure, hein, non, non. Viens pas me dire, c'est un titre putaclic, essayez ça. Non, non, je te rassure, c'est vraiment du vrai, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça fort bien sympathique, quoi, tu vois. De faire un petit peu du style TP sur PS4, quoi. Donc voilà, bien entendu, je te présente un petit peu ce qu'il y a. Où est-ce que tu peux trouver ça? Bien entendu, tu vas dans divers. Voilà, tu défiles. Donc c'est juste ici, tu vois, tu peux placer comme ça sur comme on te semble sur la map.
Enfin, montre un exemple, tu vois, je te peux placer ici, placer si tu veux là-bas, enfin bref, où tu veux également sur une map, tu vois, pour faire ça, pour faire un petit peu plus ou moins ta propre map TP, tu vois. Bien entendu, si c'est sur console, bon après sur PC, je sais que vous avez beaucoup de maps de travaux publics également, hein, donc ça c'est pas négligeable quoi. Bon, en tout cas, je te mettrai ce mode en description. Je le mettrai en description tout comme l'appel de Black Sheep Mining et le camion. Donc voilà, ça fait du 3 en 1, tu vois, ça fait 3 pour le prix d'un, on va dire, plus ou moins, mais bon, bref. On va dire que le pack de camions de Black Sheep Mining date un petit peu, donc t'inquiète pas, donc je vais pas faire une présentation ou quoi, hein, c'est juste pour faire un peu semblant. Hein, pour faire, on va dire, style que celui du TP, tu vois. Mais là, ça serait sympa qu'un jour, un modeur, peu importe lequel, nous fasse, on va dire, une vraie map TP sur console, quoi. Ça serait vraiment cool, quoi. Ça serait. Faut demander à BZH Modding, tu vois, qu'il en fasse une. Ça serait bien, quoi. BZH Modding ou peu importe, quoi. Peu importe. Eh ben écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura bien plu. En tout cas, ça va être une vidéo assez courte. Je sais. Mais t'inquiète pas qu'il y aura d'autres vidéos de prévues. Peut-être dans la semaine, peut-être dans les semaines à venir. En matière de présentation de mode, t'inquiète pas. Ben écoute, moi je te souhaite. Écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, partager, à t'abonner tout en mettant la cloche, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, bah, quant à moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, la bise à tous. Ciao, ciao!